De là où l'embassé du vent offshore ce matin sur la Cano, bonjour à toutes et à tous et bon vendredi. On commence la journée avec un temps qui est dégagé à la terre, ça bourgeonne de nuages sur la mer. La température extérieure est à 11, la température de l'eau est à 19-18. Cet après-midi, un temps dégagé, une température à 19. La marée est actuellement pleine basse, 7h10, coefficient tout petit de 28. Et sur cette pleine marée basse, le vent est offshore par le nord-est. Il est gentiment modéré, il y a un petit de Beaufort, le plan d'eau est ridé, les phases de vagues sont lisses, là où l'est-elle ? Moyenne à longue de 9 secondes de période, orientée nord-ouest à ouest-nord-ouest. Elle est très multipique. Elle est relevée à la baisse sur la boire Cachan-Gascogne en moyenne à 1,67 secondes, mais des pointes à 1,88 secondes. Et en termes de taille de vague, ça nous donne plus petit qu'hier. Un poil plus rangé, il me semble, à voir. Il y a 80 cm à mètre en déferlement régulier, 1,20 m sur les séries qui rentrent fréquemment. Et de temps à autre, il y a 1,30 m qui passe. Avec la marée qui est basse, la barre est facile à franchir. Les vagues sont praticables par des surfeurs intermédiaires sur un plan d'eau un peu agité, avec des vagues multipiques. Et il y a des vagues semi-creuses au bord, à la centrale, là, pum, le pic là, vous voyez. Quand il y a les gros sets, ça casse au large, ça mousse un peu, c'est pas terrible. Mais quand il y a les inters, là, il y a quelques petits pics qui arrivent à passer de ci, de là. Bon, les autres endroits sont aléatoires, mais avec des vagues un peu plus molles. Bon, ça vaut encore la moyenne, hein. 2,5 sur 5, ça va s'améliorer au fur et à mesure que la marée va monter. Il y a déjà des surfeurs qui checkent les conditions. Personne à l'eau pour le moment. L'évolution pour le reste de la journée, c'est un train de houle qui va s'amortir petit à petit. Du vent qui va rester offshore à la mi-journée, se renforcer au nord cet après-midi avant de revenir offshore en soirée. La boire Cachan-Gascogne pour la mi-journée est à la baisse à 1,70 et 6 secondes. Et donc les prévisions à 9h, c'est 1,30 m, ou le nord-ouest à ouest-nord-ouest, 9 secondes de période, vent de nord-est 2-3, à 13h, 1,20 m, ou le nord-ouest à ouest-nord-ouest, 9 secondes de période, vent de nord-nord-est 2, à 13h, 1 m, un petit mètre 20, ou le nord-ouest à ouest-nord-ouest, 9 secondes de période, le vent qui passe au nord sur les coups de 16h, il restera nord-nord-est, et sur les coups de 16h, nord 3-4, et en fin de journée, on revient nord-est, faible à modéré. Le meilleur créneau, c'est ce matin, avec la marée qui monte, le vent offshore et le max de taille. Mais il y aura des vagues praticables toute la journée. Prochain point, tout aller.